Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo Halloween et je vais essayer de vous faire une tête de citrouille. Alors, pas complètement citrouille, elle va avoir encore un bout de moi et le reste en citrouille. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et j'espère que ça sera réussi. Bisous, à tout à l'heure. Là j'ai quand même mis un petit bandeau pour attraper les petits cheveux quand même, parce que malgré les cheveux attachés. Alors, là je vais avec un crayon noir qui est bien taillé. Je vais déterminer la zone qui sera encore humaine et pour enlever la, pour la séparer avec la zone citrouille. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Alors j'espère que ça sera, parce que là j'ai pas de miroir, je me fais le travail dans le retour de ma caméra. Alors c'est pas une vidéo nouveau, parce que je l'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon, sur une autre chaîne, je me souviens plus le nom, je suis désolée. Je mettrai les liens des vidéos en question en barre d'infos par correction pour ces personnes qui ont fait un travail magnifique et qui m'ont inspirée, et forcément ça sera pas identique parce qu'elles sont très très douées en comparaison de moi. Voilà. Alors, je vais mettre mon fond de teint de la partie humaine, on va dire ça, comme ça. Donc je vais le mettre au pinceau, parce que c'est le Yves Rocher. Là c'est vraiment un premier essai. J'ai un œil toujours sur le côté en fait, parce que j'ai une photo. Alors je vois un peu flou puisque j'ai pas mes lunettes, vous imaginez bien que c'est pas facile. Juste pour l'inspiration, pour m'aider un petit peu. Celui de Marion Caméléon est vraiment très joli, c'est juste qu'il est beaucoup plus dur. Voilà, je vais le mettre en grand écran. Et oui, c'est ça d'avoir besoin de lunettes, pourtant. Alors là, je vais laisser sécher le fond de teint. Je vais essuyer mon pinceau et je vais m'attaquer à ma partie citrouille. Donc j'ai acheté une maquillage à l'eau de la. De chez Jiffy, donc il n'y a pas de marque particulière, il n'y a pas de nom. C'est un pot de 14 grammes maquillage à l'eau. Et je vais faire au pinceau. Je vais reprendre le pinceau de fond de teint, de toute façon c'est pas grave. De toute façon c'est un pinceau que je vais relaver de toute façon, donc voilà. J'ai un peu détouré mon nez parce que sur le nez je vais faire le noir comme pour le trou de cette roule pas du nez en fait. Bon, ça dit, je vais faire la bouche donc. Je descends un peu. Ouais, c'est pas mal. Bon. Niveau opacité, je vois pas très bien ce que j'ai. J'ai pas la lumière le mieux face à moi. Donc, je suis dans mon salon parce qu'en fait, c'est plus facile pour moi pour vous faire des make-up propres. Ce type de make-up propre, parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude et dans ma salle de bain, le problème c'est que je suis trop loin. Et je peux pas m'appuyer, par exemple, pour faire le dessin de noir que j'ai fait. Bah, j'y arrive pas en fait dans ma salle de bain. J'ai essayé de faire un sugar cut. Ah, je sais pas si je vais vous le mettre. Ou si je le refais. Donc je sais pas. En tout cas, si je vous le mets, c'est que j'ai pas le temps de le refaire. Et j'espère que vous serez au paiement parce que. Il est bien, mais voilà. Le montage est bien, la vidéo est bien filmée. Mais le résultat, j'aurais voulu faire mieux pour vous en fait. Mais c'est pas dramatique, hein. Je veux dire, ça pourrait être bien pire. Très très sincèrement, ça pourrait être bien pire comme résultat. Pareil, le noir, le live, c'est pas très grave, c'est pas très opaque. Enfin, je vais pas faire tout mon live d'ailleurs. Je vais pas faire tout. C'est comme une. Je vais pas faire très opaque. Voilà, donc on essaie d'aller jusqu'à la racine des cheveux. On peut faire, si on peut faire, ouais.
Voilà. Bon, le souci, c'est que les oreilles, ça a été compliqué après avec des maquillages. Bon. Pour fixer ce fard gras, enfin ce fard gras, ce fard à l'eau, moi j'ai deux options. C'est soit vous pouvez mettre du talc ou un fard à paupières orange. Donc moi je vais prendre plutôt le fard parce que j'ai peur qu'avec le talc ça fasse un effet un peu blanc. Donc là c'est un fard. Oups, c'est un monobule, pardon. Et c'était ces couleurs mandarine, ombre à paupières. Alors, j'ai pas la marque parce que c'était des petits comme ça en fait qu'on m'a donné. Et c'est. Je sais pas la couleur, la marque. Alors. Je vais prendre avec un pinceau comme ça parce que c'est tout petit. J'aurais préféré prendre avec mon pinceau à poudre, mais. Il est mat. Je vais brancher ma caméra à charger et je vous reprends. Okay, la caméra est en charge, je vais pouvoir continuer à vous faire ce petit make-up Halloween. Voilà, j'essaie de poudrer pour eux. Voilà. Bon. Là, j'ai fait le principal. Avec mon crayon noir, je vais retracer en fait mes bords. Je vais les reprendre. Quelque chose de plus net, mais. Alors, j'ai réépaissi certains traits, mais je vais les affiner de toute façon. Je vais les blender. Avec un petit crayon comme ça. Voilà, j'ai bien dessiné mon côté. J'ai un côté qui est certes un peu plus épais. Si vous, on va dire que vous loupez un peu comme ça, vous le cacherez avec vos cheveux. On pourra toujours arranger, je pense. Mais non, j'ai fait à mon œil. Donc je vais essayer de faire quelque chose de. Un bon triangle. Comme ça, ça fait comme les petits trucs que l'on fait pour avec les petits trucs. Donc je remplis entièrement comme ça sur toute la paupière et sur
pour unifier l'œil, parce que là j'étais en gros avec le crayon noir, donc là je vais un peu blender comme ça. Ça c'est trop. Donc là j'ai utilisé celui de Révolution pour le stick. En fait, pour vraiment qu'on ne voit pas mon côté mère sortir, je vais mettre du crayon noir dans les muqueuses. Voilà, pour avoir un effet bien noir. Voilà. Mais non, je vais m'attaquer à mon nez. Donc normalement, c'est pareil, c'est un triangle. Donc je vais essayer de faire un triangle sur le nez. Voilà. Et le nez, je vais le remplir. Je pense qu'avec un fard. Comme ça, non. Donc je remplis. Alors le nez étant fait, donc, ça, ça donne ça. Alors maintenant on va faire, excusez-moi, j'ai dans le nez. Si vous avez, je pense que vous pouvez poudrer l'œil et le nez. Et après, vous aurez la bouche. Ah, je reprends mon crayon noir. Et là, en fait, je vais étirer au niveau de mes commissures un trait. Comme le sourire de l'ange du Joker. Donc, on va essayer d'être symétrique, mais on sait très bien que quand on fait ce genre de projet en vrai, sur une vraie citrouille, c'est jamais très très symétrique, c'est jamais très droit, ce qui est là le cas largement. Voilà. Donc ma bouche, je vais la redessiner en noir. Donc ça. Alors je remplis les lèvres avec le noir. Alors, j'ai mes traits. Oui, j'étais un peu quelque chose d'asymétrique. Alors, je vais faire comme des dents quand même. Thank you.
Déjà, on a les dents, le sourire. Donc après, on va s'attaquer au volume de la citrouille. Donc, ce qu'on peut trouver, les petites bandes. Alors, je vais prendre un crayon brun. Donc là, c'est un crayon à sourcils, mais ça pourrait être n'importe quel crayon. Parce qu'en fait, il est assez gras, celui que j'ai, mais pas trop. Donc, je vais tracer des lignes comme ça. Je vais les flouter avec un petit pinceau un peu fluffy. Okay. Oui, la ligne sur le coup, elle m'a suivi. Donc déjà là c'est juste atténué. Je vais prendre ma petite palette orange de la chocolate orange, parce que dedans vous avez des petites teintes orange, mais vous avez aussi du brun. Donc je vais les retravailler avec ces deux teintes, avec de l'orange, avec ce orange là et ces deux là en fait mélangés, et du brun. Toujours au pinceau fluffy, mais je vais peut-être en prendre un peu plus petit. Comme ça en fait, il est un peu plus rigide en fait. Donc je vais d'abord prendre le orange. Je vais faire un mélange jaune-orangé. Du coup, je regarde un peu en bas parce que... D'après, vous pouvez faire aussi au fard gras le très marron. La ligne marron, parce que là, ça c'est... À la caméra, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que... en vrai, c'est vrai que les traits ne se sont pas bien estompés. Mais avec, cela dit, que le fard à paupières orangé, ça fait vraiment l'effet lumière. Donc voilà. Mais je pense que je vais pas mettre le marron, parce que je pense que ça va faire un truc bizarre. Ça dépendrait de comment le orange allait prendre. Alors, bon, effectivement, c'est pas parfait. Voilà, de loin, en fait, ça fait des effets. Je vais prendre le fard marron, comme je vous ai dit. Et je vais faire quand même, voilà, d'un côté, je l'estompe. Avec l'orange. Quand je trouve que ça manque un peu de volume. Bon, normalement, il faut que ça soit un peu plus subtil, mais je pense que là, j'ai manqué de subtilité. Mais on peut me pardonner, c'est mes premières vidéos Halloween. J'avais vraiment envie de m'amuser avec. Alors bon, est-ce que ça dérange d'avoir des vidéos qui sont pas au niveau de Mario Caméléon ou autre? Ben, je suis désolée. Je vous invite à attendre les prochaines vidéos qui seront peut-être un peu plus à votre goût. Voilà, je suis désolée, c'est ça aussi l'apprentissage. Voilà, moi ça m'amuse. Et de loin, ça fait la blague. Sincèrement, ça fait la blague.
la blague. Je suis plutôt contente. Je vais arranger mon nez parce que je trouve que c'est pas très. C'est pas assez intense. Et je pense que je vais l'arranger avec le stick. Le stick noir. C'est vrai que dans le miroir, du coup, je vois mieux. Pareil pour elle. La bouche. En fait, je repasse où j'ai laissé au crayon. Voilà. Donc déjà c'est un petit peu mieux je trouve. Propre, je vais et un fard un peu peau. Je vais travailler mon contour noir en fait qui délimite ma partie humaine. Voilà. Parce que... voilà. On va intensifier le contour avec mon fard stick de chez Kiko. Donc ça c'est bon et je vais retravailler les détails pareil de mon œil, enfin autour de l'œil orange parce que je trouve qu'il n'est pas assez opaque par endroit, que c'est trop léger, mais je vais travailler avec un pinceau plus petit parce que le pinceau à fond de teint il était peut-être un peu trop gros. Et du coup voilà, par exemple là c'était pas assez opaque par exemple. Alors en même temps ça permet de retravailler mon bord aussi. Une citrouille qui a morflé, qui a vu des choses pas cool, etc. Voilà. Autant vous pouvez en trouver des make-up de citrouille qui vont être plus glamour. Non, moi c'est pas mon créneau. Mon créneau c'est le débutant. Et c'est des make-up qui sont peut-être un petit peu moins classe. Voilà. Alors là, je vais faire mon make-up d'œil d'humaine. Et je vais rester dans les tons un peu orangés, un petit peu bruns. Mais peut-être plutôt, même plutôt rose en fait. Je vais utiliser cette palette, donc c'est la mini orange. Voilà, je vais pas utiliser la grande en fait, sinon ça fera trop d'orange peut-être. Je vais faire mon sourcil. Je ne vais pas mettre de fixateur parce que je l'ai oublié. Mais c'est pas grave. Parce que vous imaginez bien que je vais pas passer ma soirée comme ça. C'est un peu trop pour aller chercher les bonbons d'Halloween. Voilà. On va les brosser un peu quand même. Pardon. Je vais quand même mettre un petit peu de mascara sur mon œil de citrouille. Parce que je trouve ça quand même important qu'on ait un beau regard bien intense. Finir mon œil totalement en fait d'abord. Alors, en couleur de transition, je vais utiliser ce petit rose pâle. Rose beige, mais je sais pas trop en fait. La lumière que j'ai. Bon, j'ai mis du fond de teint dessus comme si. Comme base. Donc là, ça va unifier la paupière. Oh, ensuite, je vais mettre cette couleur-là. D'un côté, en fait, vous avez un maquillage beauté des plus classiques. Je rajoute un peu pour... Je vais prendre ce petit marron brique, marron orangé. Bah, je vais faire vraiment un make-up et puis je vais mettre sur toute la paupière. Je vais faire vraiment quelque chose de très simple. Pas besoin de... J'ai pas envie de me casser la tête avec un make-up trop compliqué. Et avec un fluffy, je vais mettre celui-là un peu partout sur la paupière mobile aussi pour avoir quelque chose un peu irisé. Et pas trop terne en fait.
Vous insistez bien dans le coin interne. Voilà, comme ça, elle est reflet 2. Je vais remettre une touche de lumière en coin interne avec le petit jaune qu'il a. J'ai mis une petite touche de l'oranger un peu plus clair en dessous, à côté au niveau des racines. Que je l'utilise comme ça vraiment pour en racine. Voilà. Et le fard que j'ai mis en coin externe, je vais l'appliquer au niveau de la paupière supérieure pour illuminer avec un petit pinceau mousse. Voilà. Voilà. Histoire d'apporter un peu de lumière. Voilà, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous. Si ce make-up vous a plu, bah, laissez des petits pouces en l'air. Il va y avoir peut-être un ou deux make-up supplémentaires d'Halloween. Je ne sais pas. Ça dépendra du temps que j'ai. Et je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et au revoir. Bye bye. À une prochaine vidéo.